Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une revue de magazine. Alors, qui dit canapé dit revue de magazine. Si vous m'avez déjà suivi, vous savez que j'aime bien me mettre en mode chill pour vous parler des dernières publications. Et aujourd'hui, on va parler du nouveau Fibre Mood. Alors, c'était pas prévu, mais je viens de le feuilleter très très rapidement et je pense que ça mérite une petite revue et surtout qu'on en discute. Voilà, avant de commencer, je me présente, je m'appelle Aurore et vous êtes sur l'atelier des deux chatons. Si vous passez par là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage et surtout n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Alors, on va donc décortiquer ensemble le Fibre Mood. Donc, c'est le Fibre Mood numéro 24 de juillet 2023 que voici. Et on nous promet dedans 15 patrons parfaits pour les vacances, des looks sympas pour enfants cool et 4 accessoires estivaux, casquettes ou sacs de plage. Alors, la couverture me paraissait sympa puisque c'est un maillot de bain et je me suis dit bah super, il va y avoir une couture de maillot de bain. Ah, voilà le chat. Et ça va être voilà, une garde-robe d'été. Et derrière, vous avez comme toujours les petites vignettes qui vous détaillent, qui vous détaillent les créations. On va regarder ça ensemble. Tu vas peut-être pousser toi? Allez, descends. Alors, on va commencer tout de suite par... alors, on passe à les photos, je ne vais pas regarder vite fait. Alors, on commence tout de suite par le premier patron. C'est une robe que voici. C'est la robe Cora. Voilà, donc on voit que c'est une robe avec une encolure carrée devant et un grand décolleté dos. Et surtout, on voit que c'est une robe très loose. Voilà, longueur cheville. Alors, donc cette robe, ah non, c'est pas Cora, c'est Coral, pardon. Hop, la voici également ici en blanc, avec une petite veste en jean, portée avec un chapeau. Alors ça, c'est typiquement les robes qu'on met en sortie de plage. Qu'est-ce qu'on nous dit? À mon avis, elle va être très gourmande en tissu. Alors, Coral, hop, tu veux te pousser, Aria, s'il te plaît. Oui, couche-toi, ma fille. Alors, Coral, donc, comme toujours, les descriptions sont en fin de cahier. Alors, on nous dit, donc, c'est une robe, difficulté 2 sur 5, toujours la gamme de taille XS à triple XL. Ici, donc, on a soit la version longue, soit la version courte. Au niveau de la version courte, pour les plus petites tailles, il vous faudra 2,45 m de tissu. Et pour la plus grande taille, donc triple XL, on vous dit 3,20 m. Donc, effectivement, assez gourmande. Au niveau de la robe longue, il nous faudra 3,45 m pour la plus petite taille et 4,15 m pour la plus grande taille en triple XL. Alors, il faudra faire attention si vous voulez faire la version longue. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on nous dit que pour un tissu en 1,10 m, eh ben, ça ne passe pas. Je pense que les pans sont tellement larges que en fait, bah, écoutez, ça ne passe pas. Donc il faudra bien faire attention à prendre un tissu en 1,40 m de l'aise. Voilà. Au niveau du conseil des tissus, on nous dit éviter les matières trop épaisses pour cette robe longue. Coral préfère les tissus fins et légers, comme le voile de coton, le lin, la double gaze, le chambray, le coton gaufré, le crêpe, le crépon, le satin et la soie lavée. Alors c'est vrai qu'en soie, ça doit être très joli. Alors je vous remets le petit dessin technique que voici. Donc avec le grand décolleté dans le dos et le petit décolleté arrondi et les bretelles. Alors, est-ce que je vais faire cette robe corale? Clairement, non, pas du tout, puisqu'elle est extrêmement gourmande et voilà, ça me... C'est pas dans mes objectifs.
Le deuxième patron, alors c'est le patron qui s'appelle Augusta, donc c'est une chemise ou une robe chemise. Alors, vous l'avez ici la version chemise avec un joli imprimé. Et vous avez ici la version robe chemise. Donc c'est un bleu violet. Et vous l'avez également juste avant ici, hop, en gros plan. On voit qu'il y a des fronces ici sur le côté. Alors, Augusta, qu'est-ce qu'on nous dit d'Augusta? Alors, je me réfère à la checklist. Donc, Augusta, donc patron 2 sur 5, toujours XS à triple XL. Je vous montre le dessin technique. Donc en fait, c'est clairement une chemise avec un col de chemise. Ici, vous avez des fronces, vous avez un bas liquette et qu'on peut allonger pour faire une robe chemise. Alors, ici, quantité de tissu. Alors, pour la version robe, il vous faudra entre 2,40 m et 3,65 m en 1,40 m de l'aise. Et pour la version top, il vous faudra 1,75 m à 2,60 m. Alors là, j'ai envie de dire que ça va, c'est pas encore trop gourmand. Moi, pour ma taille, par exemple, donc en... c'est quoi ma taille? C'est XL, il me faudrait 2,20 m de tissu pour la version top et 2,90 m pour la robe. Bon, c'est pas rien, mais on va dire que ça passe encore. Et il vous faudra également des boutons et il nous faut entre 9 et 10 boutons. Bon, ça va encore. Petite aparté, je vois que la version robe est prévue avec des poches. Donc ça, c'est une bonne idée. Alors, est-ce que je vais faire cette robe ou cette chemise Augusta? Alors, en robe, non, clairement. En chemise, bah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce n'est pas forcément dans mes objectifs, mais pourquoi pas. Alors, on passe ensuite à une double page que je vous présente ici. Et ici, bah, vous avez deux patrons. Donc, vous avez le cabas qui s'appelle Mary. Voilà. Et vous avez une casquette qui s'appelle Minu. Alors, clairement, fibre mood, on ne va pas se mentir. Moi, je pense que c'est un peu du foutage de gueule. Parce que un cabas, clairement, vous allez sur Pinterest, vous tapez sur votre explorer internet, vous cherchez tuto cabas, vous allez en trouver. Vous allez en trouver tout plein, des gratuits. Donc je vois pas trop la valeur apportée à ça. Une casquette, bon, ouais, pourquoi pas. Une casquette, écoutez, pourquoi pas. Je sais que Petit Patron en avait sorti une l'année dernière. Ouais, bon, voilà quoi. Mais je pense que c'est pour moi ça devrait être en cadeau et non pas compter dans les patrons. Mais bon, alors on va regarder quand même ce que ça donne. Alors le cabas Mary, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors le cabas Mary. Eh ben écoutez, il n'est même pas en description. Donc, on fait comment pour le créer? Comment on fait? Comment on fait pour trouver le mode d'emploi? Alors, peut-être sur le site. Bah écoutez, c'est un peu mystérieux cette affaire. Ah bah si, page 99. Alors, page 99. Donc, ah oui, d'accord, c'est tout au bout. Donc, si on fait d'abord les vêtements et ensuite les accessoires. Alors, le cabas Mary, le voici. Il est ici. Bon, bah, voilà, c'est un cabas avec des espèces de cordons qui dépassent. Là, c'est froncé. Vous avez une anse. On vous dit, vous faudra 1,40 m de tissu. Ok, bon, voilà. Moi, je suis pas très accessoire, donc forcément, bof, quoi. Et ensuite, la casquette. Donc là, voici la casquette Minu, que voici.
Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, il vous faudra. Ah ouais, là, il faut du bou... il y a du boulot, là, il faut des accessoires. Alors, il vous faut de la doublure thermocollante, deux sortes, de la S520 et de la S133 pour la visière. Il vous faut des baleines, il faut du biais, il faut une boucle réglable, il faut un bouton à recouvrir et il vous faut 55 cm de tissu. Ouais, donc en fait, ça demande quand même beaucoup de matériel pour une casquette. Et en plus, elle est taille unique. Bon. Est-ce que je vais faire le tote bag? Non. Est-ce que je vais faire la casquette? Je pense que vous avez compris. Non plus. On passe à la suite. Alors, cette fois-ci, on vous propose une robe pour enfants, pour filles, qui s'appelle Sunny. Alors, la voici. Une petite robe avec des volants aux manches. Un petit décolleté, un petit encolure ronde. On l'a à d'autres endroits? Non, on ne l'a pas. Bon, bah alors, c'est très réduit, très succinct. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de Sony? Sony. Alors, ça va de la taille 2 à 12 ans. Donc, en fait, bah, si vous avez des grands-enfants. Faut passer sur la gamme adulte. Voici le patron, le dessin technique. Donc on voit, hein, c'est une robe assez simple, un décolleté, une encolure arrondie, trois boutons dans le dos et son charme, c'est les volants. Alors ici, il vous faudra pour la robe entre 80 et 165 cm de tissu. Et pour le top, il vous faudra entre 70 et 1,30 m de tissu. Donc bon, on va dire que ça reste quand même assez gourmand pour une robe 1,65 m pour une jeune fille. Je trouve que c'est quand même voilà, c'est assez conséquent. Au niveau de la difficulté, on nous dit de 2 à 2 sur 5. Il vous faudra des doublures et il vous faudra 3 boutons. Alors, est-ce que je vais la faire? Ben forcément non. Est-ce que si j'avais des enfants, je pourrais le faire? Oui, pourquoi pas. Maintenant, je pense que ça, c'est un patron qu'on peut trouver un petit peu partout, hein. Il n'y a rien de folichon, folichon, à part les manches. Bon, voilà, je sais pas si ça apporte grand-chose. Donc, bof. Le patron suivant, c'est une robe cette fois-ci. C'est la robe Nika. Alors que voici, donc c'est une robe bohème avec des pans sur la jupe. Ici, vous avez une encolure ronde. Hop, la voici devant. Est-ce qu'on l'a dans une autre version? Oui, ah, ça c'est pas mal. On voit la spécificité, elle est ici dans l'emmanchure. Voilà, en fait, vous avez une emmanchure croisée. Avec des poches. Voilà. Alors pareil, hein, ça va. Je pense que ça va encore être une fois ultra gourmand cette affaire. Alors, Nika. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, oui, le chat. La robe Nika. Donc, difficulté 2 sur 5. J'ai l'impression que tout est en 2 sur 5 cette fois-ci. 2 sur 5, toujours les tailles XS à triple XL. Au niveau du tissu, il nous faudra, ouais, encore une fois, quoi, entre 3 mètres et 5 mètres 55. Mais putain, mais Fibremood, il faut arrêter, quoi. On n'a pas une usine de tissus ou des petits Chinois qui font des tissus gratos la nuit. Enfin, 3 mètres pour une taille XS. Waouh! Alors, on nous dit au niveau du tissu, un tissu souple ou semi-raide, Nika se déclinera joliment dans de nombreuses matières. Laissez donc parler vos envies pour un coton gaufré, une popeline, du lin, un coton sergé souple, une double gaze ou un chambray. Bon, voilà. Alors, est-ce que je vais faire cette robe Nika? Ouais, je pense pas, quoi. Pff, clairement. 3 mètres de tissu minimum, non, moi je sais pas ce que je cherche, quoi. J'ai
Non, j'ai pas une usine à tissu, quoi. Alors, on passe ensuite à un projet un petit peu plus qui prendra moins de tissu, je pense. C'est un short. Donc voilà, c'est le short d'Alia. Un short à revers avec un bouton, une braguette. Voilà le dos. Est-ce qu'on a d'autres photos? On n'en a pas. Ok. Alors, le short d'Alia, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, Dahlia. Donc, le dessin technique est ici. Donc, on voit un short à revers, des poches ici, une braguette et un bouton. Les tailles, ça va du 32 au 60. Difficulté 2 sur 5, et toujours. Il nous faudra alors effectivement un zip, forcément entre 15 et 18 cm. Au niveau du tissu, pour une laisse de 140, il vous faudra entre 1,10 m et 1,85 m pour la plus grande taille. Il vous faudra de la doublure thermocollante et un bouton. Bon, ok. Ça n'a pas l'air très difficile, je pense. Est-ce que je vais le faire? Bah, pourquoi pas? Ça, je dis pas non. Pourquoi pas? Il me fait un peu penser à un short qui avait été qui était sorti par Dear Andou l'année dernière. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est un peu dans ce style-là. Donc pourquoi pas? Moi, j'aime bien la grande ceinture. J'aime bien le revers. Sachant que moi, je porte pas de short très court. Là, pour moi, c'est déjà plutôt court. Moi, je porte plutôt des Bermudas. Mais bon, pourquoi pas? C'est pas un 8 francs, mais c'est un 8 peut-être. Alors, ensuite, on vous dit que ce short-là va être cousu, comme toujours, hein, en Instagram party. Donc, il va être cousu dans la semaine du 10 juillet. Pour la France, c'est le 12. 12 juillet. Alors, ensuite, on passe à un autre projet qui s'appelle Kira. Alors, Kira, c'est quoi? C'est quoi? C'est une jupe ou c'est short? Eh bien, écoutez, je ne sais pas. C'est quoi Kira? Donc, ça, c'est pour enfants. Ah, c'est une chemise. Ok, donc c'est cette chemise, cette petite chemisette qui est ici. Et qui se trouve également ici. Donc ça, c'est une petite chemisette pour enfants. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de la gamme de taille? Alors ça va pareil, du 2 au 12 ans. Donc je pense que c'est le panel normal des cousettes enfants chez Fibre Mood. Alors le dessin technique est ici. On voit que c'est une chemisette un peu boxy avec un col, avec des manches repliées ici, des fronces dans le dos. Au niveau du tissu, il nous faudra entre 90 et 1,10 m de tissu. Donc ça, c'est plutôt raisonnable, j'ai envie de dire. Il vous faudra également des boutons, 6 ou 7 boutons selon la taille. Au niveau de la recommandation, on nous dit dans une matière souple qui affichera un joli tombé et moins de volume. Ouais, effectivement. Si vous préférez un look plus affirmé, optez pour un tissu un peu plus raide qui se tiendra mieux. Nos tissus préférés pour ce projet sont la popeline, le chambray, le lyocell, la double gaze, l'organza. L'organza pour des enfants, quoi. Le coton gaufré et le lin. Optez pour un uni ou un imprimé plus estival avec des pois, des fleurs, des rayures ou des carreaux. Ouais, alors là, cette phrase-là, clairement. On nous dit également pour réaliser Kira sans poignée de manche, ajoutez un surplus de couture de 1,5 cm pour terminer la manche comme indiqué. Donc en fait, ça ferait une petite chemise toute simple. Ok, difficulté 2 sur 5, je me répète, hein.
Alors, est-ce que je vais la faire cette chemise? Bah non, forcément, puisque je n'ai pas d'enfant. Est-ce que j'aurais pu la faire pour un enfant? Oui, ça, oui, pourquoi pas. On passe encore une fois à une cousette enfant. Cette fois-ci, c'est un short. C'est un short qui s'appelle Parker. Le voici. Alors, hop, je vais essayer de mettre un peu de lumière. Non, il veut pas. Un peu de lumière. Non. Bon, alors, il est en bleu. Et sinon, il est ici en marron. Donc, là, c'est un bermudin, hein, clairement. Alors, on ne le voit peut-être pas trop bien, mais ici, en fait, vous avez une poche dans le bas de la jambe. Donc, ce short Parker, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, il est où? Parker. Pareil, 2 à 12 ans et 2 sur 5. Voici le dessin technique. Donc, c'est ce que je vous disais, la petite poche en bas. Des poches dans le dos, des poches sur les côtés et une ceinture élastiquée. Alors ici, il nous faudra entre 70 cm et 1,15 m de tissu. Donc ça va, c'est pas gourmand. Et de l'élastique. Il vous faudra également. Il vous faudra rien d'autre. Là, il n'est pas gourmand pour une fois, hein, c'est bien. Au niveau du tissu, on nous dit. Parker doit pouvoir encaisser quelques coups. Optez donc pour le jean, par exemple, mais de la popeline ou le lin conviendront aussi à ce modèle. Bah, clairement, pour des enfants, ils vont mieux opter, je pense, pour un jean ou quelque chose de costaud, hein. Ils vont se rouler dans. Ils vont se rouler, ils vont courir, tomber, machin, autant que ce soit confortable et pratique. Est-ce que j'aurais pu le faire pour un enfant? Oui, pourquoi pas. Oui. On passe ensuite, toujours pour des enfants, on passe à une robe qui s'appelle Daisy. La voilà. Alors, on voit que c'est une robe avec des manches courtes. Ici, vous avez une encolure en V qui se ferme avec un petit lien. Le dos est comme ceci, donc un dos très simple. Alors, la robe Daisy. On nous en dit. Alors, Daisy. Donc, difficulté. Vous avez la réponse, 2 sur 5. La gamme de taille entre 2 et 12 ans. Le dessin technique est ici. Voilà, donc la fermeture en goutte avec des liens, les petites manches voulantées, le bas voulanté également. Au niveau de la consommation de tissu, entre 1,25 m et 2,45 m, bah 2,45 m, je trouve ça quand même assez gourmand pour une jupe, une robe pour enfant. Mais peut-être que je me trompe. Et il nous faudra de la doublure. Ok. Au niveau du conseil tissu, Daisy sera du plus bel effet dans un tissu d'été comme une popeline, une batiste ou un chambray. Si vous préférez une touche de romantisme, optez pour un imprimé à petites fleurs ou un vichy à la Brigitte Bardot. Pour un look sobre et minimaliste, préférez une teinte douce pastel ou terreuse. Terreuse. Pas envie. Alors, cette robe, est-ce que je la ferais pour une enfant? Bah, pourquoi pas? Ouais, elle est mignonne, je la trouve sympa. On voit que les deux petites filles, elles ont l'air à l'aise. Donc, ouais, je pense que ça peut être une belle petite robe d'été. Ensuite, on passe à quoi? Et encore, des cousettes enfants. Cette fois-ci, c'est un t-shirt qui s'appelle Ray. Le voici. Voilà, encore une fois, une coupe boxy. Si vous n'aimez pas, c'est mal barré. Alors, le t-shirt Ray, voici le dessin technique. Voilà. Alors, pareil. Ah tiens, on n'est plus à la même difficulté. On est à 1 sur 5. Donc, pour les débutants, c'est parfait. Au niveau de la gamme détail, toujours pareil, 2 à 12. Au niveau de la quantité de tissu, il vous faudra entre 80 et 1,20 m pour du 12 ans. Conseil de tissu, le look obtenu différera en fonction de votre tissu.
Choisissez pour raie une matière tissée ou une maille, comme un interlock, un jersey simple ou double, un French terry, une popeline, un voile de contour, un chambray, de la double gaze, du lin. Alors ça, c'est pas mal parce que ça peut être fait aussi bien en maille qu'en chaîne et trame. Donc, bah écoutez, pourquoi pas? Est-ce que j'aurais pu le faire pour un enfant? Oui. Est-ce que je le recommande? Bah écoutez, oui. Vu que c'est débutant, bah pourquoi pas? Il faut tenter. Ça peut être bien pour commencer. Alors, cousette suivante, cette fois-ci, c'est alors le top qui s'appelle Marisol. Et c'est encore une cousette enfant. Ah ouais, non, mais en fait, il n'y a que des cousettes enfants, quoi. Je sais pas ce que je vais en faire de ce truc. Alors, le voici. Donc là, on a une encolure large, presque bateau. Des manches qu'on dirait trois quarts. Là, on voit pas mieux, hein. Encore une fois, une super pose, bravo, fibre mood. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de Marisol? Marisol. Alors, le dessin technique est ici. Donc, on voit que c'est froncé en bas, c'est froncé aux manches, encolure ronde. Alors, difficulté 1 sur 5, gamme de taille de 2 à 12 ans. Il vous faudra entre 75 cm et 1,15 m de tissu. Il vous faudra aussi beaucoup d'élastique, entre 96 cm et 1,20 m d'élastique. Au niveau du tissu, vous pouvez tout vous permettre avec Marisol. Pourquoi pas une matière tissée ou une maille, comme du chambray, du lyocell, du lin, de l'interlock ou du French terry. Vous voulez un tombé souple avec un crêpe ou une viscose, vous obtiendrez moins de volume. Si au contraire vous aimez la structure et le volume, la popeline vous permettra d'obtenir un superbe effet. Donc, je vous remontre le dessin technique. Alors, est-ce que je l'aurais fait pour un enfant? Oui. Limite, ça serait pour adulte, je tenterais. Je trouve ça assez sympa. On passe au prochain projet, toujours pour des enfants. Cette fois-ci, c'est une combinaison qui s'appelle Pearl. Donc la voici de dos, la voici de face. Alors ça a l'air d'être un pantalon très large. On voit qu'il y a des bretelles dans le dos avec un dos très droit. Qu'est-ce qu'on nous dit de Pearl? Alors, Pearl. Eh ben, N. O. P. Alors, Pearl. Difficulté 2 sur 5. On revient au 2 sur 5. Gamme de taille de 2 à 12 ans. Alors, le dessin technique est ici. Oh, ça fait clairement une salopette qu'on dirait presque un bloomer pour bébé. Au niveau du tissu, il vous faudra entre 1,05 m et 2,45 m. Il vous faudra également de la doublure thermocollant. Pour ce modèle de tissu, le type de tissu déterminera le look obtenu. Les tissus souples comme les matières un peu plus raides sont possibles. Essayez par exemple la popeline, le chambray, le lyocell, la double gaze, l'organza, le coton gaufré ou le lin. Alors, il y a des poches, je les vois ici. Donc ça, c'est bien pour les enfants. Est-ce que je le ferai pour des enfants? Bah écoutez, oui, parce que je pense qu'ils doivent être méga à l'aise là-dedans. On voit que la petite fille ici, elle est en train de se dandiner là. On voit que voilà, il n'y a pas de ceinture, c'est lâche, c'est cool. Donc bah écoutez, oui, pourquoi pas? Alors, prochain projet, alléluia, on revient chez les adultes. C'est une robe qui s'appelle Blossom. La voici ici. Et la voici en rose. Alors on voit, c'est une fermeture ici avec un lien, un petit peu comme la robe de tout à l'heure. On voit qu'il y a des manches au niveau du coude. Ici on voit mieux. C'est une manche froncée avec une espèce d'élastique. Alors par contre ça c'est typiquement la robe aussi où on est à la cool. Alors la robe Blossom.
Qu'est-ce qu'on nous dit de Blossom? Donc, difficulté 2 sur 5, toi-même tu sais. Taille toujours XS à triple XL. Au niveau du tissu, il vous faudra entre 2,45 m et 3,55 m et il vous faudra surtout de l'élastique. Entre 54 cm et 66 cm. Le dessin technique est ici, donc on voit des grosses manches bouffantes. Ici, il y a des fronces, là, il y a des élastiques, là, il y a de la fronce. Là, on voit que c'est un petit peu froufrou. Hop, je m'approche un peu, hop là. Voilà. Au niveau du conseil en tissu, cette robe demande une matière élégante comme une double gaze, du lin, un voile de coton, une popeline, un coton gaufré ou un chambray. Bon, ben voilà. Donc, quelque chose de relativement cool, souple. Alors, est-ce que je ferai cette robe Blossom? Je sais pas. J'ai peur que ça fasse un peu sac. Bon, la demoiselle qui est ici, elle est toute fine, toute fine, tout ce qu'on veut. Donc, ouais, pourquoi pas, mais... moi, j'ai peur que ça fasse femme enceinte, quoi. Donc, non, je pense pas. C'est pas, en tout cas, ma priorité. On passe à un t-shirt, cette fois-ci, qui s'appelle Océan. Alors là, le voici, ici. Ici, en vert. On voit qu'il y a des espèces de découpes, ici, sur les côtés, des basques. Et voici le dos, hop. Donc décolleté V dans le dos, boutonné. Alors, ce petit haut océan, qu'est-ce qu'on nous en dit? Alors, océan, océan, voilà, il est là. Alors, difficulté, toi-même tu sais, 2 sur 5, le dessin technique est ici, donc boutonné dans le dos, le petit col V, un col rond devant, ici vous avez un empiècement, vous avez des, c'est quoi ça, c'est des plis, voilà. Alors, océan, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, ça ne doit pas être méga gourmand cette affaire. Alors, pour la version longue, on est entre 1,30 m et 2 m de tissu. Et pour la version courte, entre 1,10 m et 1,70 m. Bah voilà, ça c'est bien, voilà, ça ne consomme pas beaucoup. Et il vous faudra 6 boutons et de la doublure thermocollante. Conseil de tissu, pour mettre en valeur les plis discrets sur le devant, optez plutôt pour une matière fluide comme un crêpe, un crépon, un satin ou un coton gaufré. Est-ce que je vais faire ce top océan? Je pense que je peux le faire, ouais, j'aime bien. Je le trouve assez cool, rentrer dans un pantalon pour aller travailler, ça peut le faire. J'aime bien cette petite forme là sur la poitrine. C'est sympa. Donc oui, oui, oui. Il y a moyen que je le fasse. Un autre top, on continue. Cette fois-ci, c'est un top en coulure bardot qui s'appelle Dune. Que voici, avec des manches trompettes. Voilà, on le voit également ici. Et la couleur, elle est super jolie, le orange. Alors par contre, fibre mood, vous avez dû avoir un stock de... le tissu orange, je sais pas si vous vous souvenez, dans le dernier c'était pareil, il y avait de l'orange partout quoi. Voilà, c'est que c'est vraiment à la mode. Bon, orange quoi. Alors, ce petit haut Dune, qu'est-ce qu'on nous dit? Difficulté 1 sur 5, raté, c'était pas 2. Au niveau du dessin technique, le voici. Voilà. On voit qu'il y a des manches très fluides, dans coulure droite. Au niveau de la consommation de tissu, il vous faudra entre 1,55 m et 2,55 m. Bon, ça va encore. Par contre, il faut de l'élastique. Alors, de l'élastique de 1,5 cm pour le bord, donc pour l'encolure, et du 1 cm pour les manches. Non, pour l'ourlet, pardon.
Donc là, il vous faudra 24, il faudra minimum 1 mètre et 1,73 m pour les plus grandes tailles. Au niveau du conseil de tissu, on vous dit que d'une sera vraiment mis en valeur par des matières fluides et plutôt légères, comme le crêpe, la mousseline et le chambray. Je vous remontre le dessin technique qui est ici. Alors, est-ce que je vais faire ce haut d'une? Bah ouais, je pense, j'aime bien ça. J'aime bien les hauts comme ça avec des encolures dégagées. Et je pense que je dois avoir du tissu qui s'y prête. J'ai des tissus en coton gaufré, ça peut le faire. Donc oui. Un grand oui. Et ensuite, on repasse à des accessoires. Alors, ici, on a une pochette. Voilà, ici, la petite pochette qui s'appelle JT. Et vous avez une banane qui s'appelle Noucha. Voilà. Alors, on va regarder en détail cette petite pochette. Alors, encore une fois, hein, je vais me répéter, mais vous cherchez un tuto sur Internet, vous allez trouver hein, ça, des pochettes comme ça, il y en a dans tous les coins. Donc, je vois pas trop l'intérêt de mettre ça, mais bon. Voilà, quoi, il en faut pour tous les goûts. Alors, cette petite pochette JT, la voilà ici. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ah, et eux, ils font en simili-cuir. Et vous avez deux pièces, la housse par elle-même et une porte et un porte-carte. Et il vous faudra aussi également de la cordelette et des stop-cordons. Est-ce que je vais le faire? Non, pas du tout. Je passe mon tour. Et on passe à la banane. Alors, pour avoir déjà fait la banane Neta, il me semble, de Fibremood qui est gratuite, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai regardé vite fait avant de vous prendre en face cam. Et celle-ci, la Noucha, en fait, la différence, c'est que celle-ci est doublée. L'autre ne l'était pas. Et elle prévoit également une petite poche. Donc ça peut être intéressant. Plutôt qu'une espèce de banane fourre-tout comme la Neta. Donc, est-ce que je vais la faire? Non, parce que j'aime pas les bananes. Mais si je devais en faire une, ça serait plutôt celle-là. Donc, pourquoi pas. Alors, ensuite, on passe, je pense qu'on arrive dans les derniers patrons. Et là, on a enfin le maillot de bain. Alors, voici le maillot de bain qui était en couverture, pardon, j'oublie mes mots. Voilà. Alors, ce maillot, il s'appelle comment? Lucas. Et vous l'avez également dans une autre version avec un volant. Voilà, en kaki. Alors, le maillot de bain Lucas, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, difficulté 1 sur 5. Ah, bah ça, c'est pas mal. C'est donc accessible à des débutants. Qu'est-ce qu'on dit sur... Alors, je vous fais voir d'abord le patron. Hop, le dessin technique est ici. J'aime bien cette encolure one shoulder. C'est sympa avec le volant. Alors... au niveau du tissu, il vous faudra entre 80 et 1,30 m. Ça va. Il nous faudra aussi de l'élastique pour l'encolure, l'emmanchure et pour les jambes. Donc il faut entre 2 mètres et 3 mètres de tissu. Vous ne voyez pas, mais en fait, il y a Aria qui est à côté, allongée sur le dos, les pattes recourbées. Elle mériterait une photo, celle-là. Et à côté, vous avez Fitz qui ronfle. Tout va bien. Alors, revenons à nos maillots de bain. Donc, entre 80 cm et 1,30 m. Le conseil de tissu, bah, bien sûr, il faudra un tissu extensible pour maillot. Nous utilisons une matière composée de polyester recyclé et d'élastane. Vous préférerez porter Lucas en version body sous une longue jupe, un pantalon ou un short. Optez alors pour un jersey. Eh bien, ça, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne idée. Alors, est-ce que je vais faire ce maillot de bain? Bah écoutez, oui, parce que j'ai plus de maillot de bain sympa. Donc, si y a un maillot de bain que je dois faire, je ferai celui-là, avec la version volant. Je la trouve vraiment sympa. Et en plus, c'est pas trop dégagé sur les fesses, ni là.
Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça, c'est pas les espèces de body ou de maillot de bain hyper échancrés, comme on peut voir. Là, c'est portable. Donc, je pense que je pourrais le faire. Et on en a fini avec cette revue de presse. Bah, écoutez, ça a été vite, hein, 40 minutes, ouais. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce magazine? Franchement, je suis dubitative. On vous dit 15 patrons parfaits pour les vacances. Bah ouais, mais en fait, pour quelqu'un qui coupe pas pour enfants, comme moi, bah vous avez clairement pas 15 patrons. Vous en avez pour femmes. Il y a quoi? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, vous avez 4 accessoires que je ne ferai pas. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 patrons pour enfants. Donc, bah écoutez, pour un magazine qui coûte combien maintenant? Qui coûte 19,95, bah franchement, moi je ne suis pas d'accord en fait. 19,95, on va dire 20. Moi j'ai 8 patrons. Bah franchement, non. Non, c'est pour moi c'est pas rentable. Il y en a la moitié que je vais pas utiliser. Les 4 accessoires, je trouve pas ça utile. Donc bah écoutez, je suis un petit peu déçue. Je l'avais lu vite fait sur un Instagram. J'avais vu qu'il y avait en plus apparemment des modèles qui étaient déjà des redites. Donc si c'est le cas, franchement c'est encore pire. Je vous mettrai ici si effectivement c'est des redites. Je pense l'avoir lu. Alors sur les 8 modèles qui sont adultes, combien j'en ferai? Sûrement 2, plus peut-être le maillot de bain, ça fait 3. Donc 20 balles pour 2 patrons ou 3, bah clairement c'est pas rentable. Je préfère l'acheter chez un indépendant. Voilà. Mais écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous pensez de cet abonnement Fibromood? Moi, je ne sais pas, je suis dubitatif, je ne suis pas sûre de le continuer. Dites-moi ce que vous pensez de ce magazine-là. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous allez l'acheter? Je suis curieuse. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir de vous faire cette petite revue. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour un bilan couture, mon bilan du mois de mai et de juin. N'oubliez pas également de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Ça aide pour le référencement et ça nous aide à proposer toujours des vidéos. En attendant de se retrouver, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous!